Hi guys, this is a video for plants and botany enthusiasts. Lisbon has numerous gardens on which we already made a video. Now let's take a look at the emblematic species of the Portuguese capital. Alors, on ne peut pas l'appeler un arbre, hein. C'est pas vraiment un arbre le dragonnier, hein. C'est une plante herbacée qui a un port arboré, hein, parce qu'il y a une sorte de tronc, et puis après il y a des branches qui ne sont pas des branches, c'est une sorte de yucca, on va dire. Et dans Lisbonne, il y en a vraiment partout. C'est-à-dire tout ancien couvent, tout ancien monastère, tout ancien jardin de palais a un ou plusieurs dragonniers. Après, bien sûr, il y a un autre arbre qui est de prestige, on va dire, parce qu'on le voit de très loin. Et donc là, c'est un arbre qu'on va trouver dans les campagnes, mais qui a aussi beaucoup à Lisbonne, c'est l'araucaria. Celui qui a un tronc avec des branches très petites et qui monte en colonne. On l'appelle l'arbre de Cook, parce que c'est James Cook qui l'a noté en premier pendant son voyage. Et dans Lisbonne, on en voit un peu partout, aussi bien dans les jardins privés que dans les jardins publics. Après, bien sûr, il y a les arbres qui sont des phénomènes de la nature qui montrent un peu qu'on peut avoir des plantes très exotiques, notamment les figuiers d'Australie. Donc ces fameux ficus qui font des racines énormes, hein, où les gamins ils rentrent carrément dans les racines. Et ça, c'est vraiment un privilège en Europe, hein, on est encore en Europe. Hein. Donc celui-là, il est assez emblématique aussi, donc énorme, géant. Ils sont dans plusieurs jardins, hein. Ils font des racines aériennes impressionnantes, hein. Ils sont toujours verts, donc c'est vraiment un privilège d'avoir ça. Dans le même style aussi, qui impressionne pas mal, c'est les belles ombres qui ont donc des troncs tout difformes et tout ça, parce qu'ils emmagasinent l'eau. Et ici à Lisbonne, il y en a pas mal, aussi bien dans les jardins que même dans les rues. Les Portugais l'appellent un cèdre de Boussac. C'est pas du tout un cèdre, c'est un cyprès, et du Mexique. Alors, il est comme ça, bien sûr que c'est pas du tout sa forme naturelle. C'est, on va dire, 2 à 3 générations de jardiniers qui l'ont taillé pour qu'il soit comme ça. Il y a toujours cette idée, il faut de la fraîcheur, il faut de l'ombre. Hein. 250 jours d'ensoleillement à Lisbonne, hein, par an. Donc c'est quand même important d'avoir de l'ombre. Aussi, celui qui est indispensable à parler, c'est quand même le jacaranda, qui vient aussi de l'hémisphère sud comme le capoquier, mais qui va faire les fleurs dans notre printemps, donc essentiellement en avril-mai. Certains jacarandas, quand même, se rappellent qu'ils viennent de l'hémisphère sud, donc ils vont faire 2 fois des fleurs. Et selon l'endroit où ils sont, ils vont faire des fleurs en avril-mai, ils en referont en septembre-octobre. Alors, c'est un des plus plantés de Lisbonne, hein, on dit qu'il y en a 40 000 à peu près, donc c'est énorme. C'est facile. Dès l'instant que vous voyez un arbre qui a un tronc qui est lisse comme une peau d'éléphant, c'est un micocoulier. Il est très apprécié parce que c'est un arbre qui s'adapte très très bien à une ville et qui ne va pas abîmer les trottoirs parce qu'il a une racine pivotante. Il peut être énorme mais il n'abîmera rien. Il va donner beaucoup d'ombre en été et en hiver il perd ses feuilles. Donc celui-là, on peut dire, c'est l'arbre omniprésent dans les avenues de Lisbonne, plus que dans les jardins. Bon, bien sûr, les bougainvilliers, on ne peut pas appeler ça des arbres, mais il y en a partout dans Lisbonne. Hein. C'est aussi une image de Lisbonne colorée. Hein. Ils sont tout le temps en train de refaire des nouvelles fleurs et tout ça. Alors, c'est un peu salissant, mais c'est très ornemental, ça, c'est magnifique. On peut dire aussi que ça fait partie des jardins de Lisbonne, comme les jasmins, comme les roses grimpantes. Tout ça, c'est des plantes qu'on trouve facilement. Give us a like if you enjoyed the video or leave a comment. You can also subscribe to our channel. It will motivate us to do even better next time. Be curious and enjoy your stroll.